On dirait qu'il y a radio, pays à télévision. Donc, tombe libino, boye, malamu penza, pointe. Tango oyo, le lingue kaka, de cela y koloba, naba annonce nabiso, fumo ae bongo pona ma solo. Ce qui toche li kamona conférence dans le poto, namona konabiso to kolobande, to fane si kamon ko pointe to solo la. Tout ça la autre, zali ko benga partage. Et si kanini to outi to komi, pe e pa inini tozali kokende na yambo toko kabongo kokota na mozindo na biso musique s'il vous plaît en attendant na zo adire ki radio na télé yo ne musungi ka mama Bandeko toko telema biso banso pete to banda bongo na hymne national na Lingala. Bandeko ezali bongo belele na biso tango toyoka kambela ina to telema kapete toko kabongo kotosa malako ya mboka na biso. Banso to milengeli. Telema mwana Kongo moko. Mibale Telema mwana Kongo tosangani na pasi tosangani na bokasi pona bonsomi tombola elongi ekumba makala pona yango tukamata lolenge malamu Nakimia batu angu ya na mosala Toko tonga mboka kitoko koleka Nakimia mwana mboka yemba Zengwa lukumu na binwa bosangani na lolendo Kumisa bendele na yo ya tina ya bosomi Kongo e pangwama Kongo ya bakoko Kongo mboka Kongo e lingama Kongo toko tondisa ya mope toko batela monene na yango Mokolo mwatu kumisato na sanza ya motoba Mokolo mwamo ya kimya Mokolo mwalo kumu Zala neze neneke Mokolo mwalo kumu Peyanda ya boso Mitoko zikela Bakita nina biso Kona libela
Bande konabandi, tomi lengeli biso banso. Nasima ya exposé ya mfumu, toko mi lengeli pwete tokota directement na ba question. Toye biete nanzela ya YouTube na nanzela ya Facebook, na branche ki mukolo na lelo, tozwi ba reaction ya ndenge na ndenge, bato oyo bazali ko s'exprimer pwete, bayeba mission ya mfumu na mboka na biso ezali nini. Tokotike la bango bongo etando pwete babanda expose na bango na suka ya expose nde tokokuta lisusu biso na bino na kolanda ma mituna na bino reflexion na bino pwete ekoka kosunga moko na moninga to bima na esika oyo na likambo ya motuya oyo esengeli na biso tozala na yango mfumu maloba omboka. Na tondo mingi ndeko na biso oba just oya bopesi biso maloba totondi mokili ya mikelamu biso oya pesi biso lisusu ntango mpe pema po ete tokoka bongo kokutana na bandeko banso bana ya mwanda totondi mpe bongo bakonzi ya territoire na biso totondi mpe bongo bamapinga banso totondi mpe bongo baye banso baza kosala ete kimia ekoka kozala kati na mabele ya mwanda mpe bongo totondi bangunza banso mpe bongo totondi bana banso ya mwanda na baye bazwili bakuya koya te baza kolanda biso na nzela ya milobeli pe bongo ne yokeli na nzela ya radio pe bongo baye banso tozali na bino awa totombeli banso ya mboboyei bolamu matondo mingi masolo mabiso nazali masolo matali bomoi na biso biso bayindo tokoliki ete moto nyonso aza na posa bomoi na ye ezala malamu. Yiki yiki eza na kati ya mboka na biso na eleko oyo bana Congo ebele bayebi te tosala nini mokili yango na esika ekomi bapoliticien epai basenga baelektion epai baboya baelektion population kolo mabele population banso toza komituna nini yango ezoleka na mokili solution ekowuta wapi basusu balobi bobima na balabala basusu balobi bobima te pe bongo bongo kasi tokolikia moto nyonso likambo nyonso akosala ebongi ayeba ntina nini aza kosala likambo yango soki balobi nobima na balabala ifo oyo banabimi na balabala mpona nini. So balobi nakobima na balabala te nakobima mpe na balabala te mpona nini pamba te lelo oyo mikakatano tozali na yango eza na ntina bino bilenge mokili ezotambola euti epai ekomi epai ezokende epai kasi mingi na kozanga koyeba mokili epai euti na esika oyo yango ekomi mpe tozangi koyeba epai toza kokende nde ebele mbala mosusu ntango bomonaka biso bangunza tosangani toza koya koya koteya bino sango a balongwa kuna kasi bazosalela biloko ya mindele te bango baza koboya mindele te ngai baloba bakita na kokende lola i eza malamu soki okokende lola menani okenda te oza nano oyo lelo toye kosolola na bino longola nanu couleur ya lingomba na yo longola nanu appartenance politique na yo pamba te na ngonga oyo dollar soki ezali na 155 na mwanda
Eza na mokote, soit na dingomba na yo, to na parti politiki na yo bozo lela mouna nonant. Biso ba soto lela mouna 155, elingi ko le bato kaboli sor wana, ya 155 wana. Tango pe matake koma gina ba 170, to kabola ki kaka sor wana. Eza teke bato majorite bazo lela mouna 170, bato opposition bazo lela mouna soit na na 90 ou bien batu ya opposition baleli na 170 batu majorité baleli na 70 to na 90 biso nyoso hotel ngomba ya boba sambela kaboye bango balela ki yango na se ba omusu bazolela likolo di eloko ezo nyoko la biso to yebina histoire na biso te to yebina bomoto na biso te. Nzoka peuple na peuple akotambolaka selon etambuseli ya tata keli likolo na se. Yango wana yo moto kelami na Nzambe esengeli oyebaka malamu ete bomoi na ngai sor ya bomoi na ngai kozala na bomoi na ngai Nzambe pa yebi mpona nini nazali lolenge onga nazalele biso. Eloko ezo nyokola biso. Poto uti n'esclavagisme. Esclavagisme wana babongo liangwe komi colonisation. Et après colonisation, to komi ko vivre néocolonialisme. Yango nde tina ya pasi ne biso. Yango wana tolobi tozala très attentif. Parce que bien que tiraima ezana kati na mboka na biso, Congo ezali pays prophétique. Tozali na meilleure période. Période ya malamu. Soki tokozala lango mayele. Période ya pasi soki tokozala mayele te. Biso bangunza. Toyeto solola na bino. Po tokokisa. Po. Soki tolobi ezali période ya malamu. Tiraima yango. Eza to profite. Pasi toza na yango. Po batike li biso liberté te. Me eza conventionnel. Conventionnel. Mboka na biso ezo tambola na ba prophétie. Soki to kota ki na esclavagisme. Nzambe alinga ki bongo. Paske zala ki nyongo ya 430 ans. Oyo biso to sengela ki kofuta ba mindele. Po biso to nyokola ki bakoko na bango na Egypte. 430 ans na bo batanga ka Bible. Zwa mokanda Exode. Chapitre 12, verset 40. Okomona kuna balobi. Bible biso to komite. Séjour ya bana Israël en Egypte ezala ki ya 430 ans. Tango nyongo ezo sila. Tango nyongwe ko sila, esengeli biso tokota na periode na biso ya liberté na biso. E periode yango loko ezaki ya 430 ans, esengeli biso futa 430 ans. Kamata 430 ans, tia yango na 1491, oyo nzinganku azwaki batem, okomone pesio 1921. 1921, koya ya mfumu kimbango. Fumukimbangu azali nani? Soki kaka ngai tatanza lampande longo na bangunza tozolo bana bino. Boza mingi na batembe na balolenge na bino. Kasitika mundele nde aloba. Mundele katolike. Kire. Yango tobengi ndeko moko mwanda ya otanga makambu. Oyo mundele nanu alobi. Fumukimbangu oyo ye azali. Ndeko moka mwanda koya otanga. Salamu alombangu po toza kubundana tango. Botanga.
Ezali masolo eleka kana libala ya mamaka mampasi kona Bruxelles. Bande ko église kimbangiste ba celebraka cérémonie ya mariage. Bongo na suka ya cérémonie désordre moko ezalaki. Nde kire wana catholique aye akuti désordre wana. Simana yango alobaki maye alobaki pasteur Kodia ya église kimbangiste akomaki makambo nyonso wana nde atindelaki ba kondi na ye na nkamba na tango wana nelekwa papa ya lungana nde bongo église kimbangiste atiaki yango na kati ya buku oyo bakoma le soleil apparaîtra nini elekaka ndeko tangela biso. Merci beaucoup pour l'autorisation. Les propos qui tiraient Jean-Marie Van Empy lors de l'événement du 27 février 1997 à Bruxelles. Les constats et colères qui tiraient Jean-Marie Van Empy à la cérémonie de mariage de maman Kamam Pasiko à Bruxelles peut aussi nous inspirer à beaucoup comprendre notre responsabilité à travers le monde. Après les tristes constats de la cérémonie du mariage qui est soldée par la violence, le vandalisme et la profanation orchestrée par certains fidèles qui kimbanguistes, le curé de la dite paroisse Jean-Marie Van Empy demanda à avoir responsable kimbanguiste en présence de la conciergerie de la paroisse. Ayant constaté les dégâts, le curé amer et consterné se lança dans ses longs et réquisitoires. Regardez ce que vous avez fait. C'est triste avec cela. Vous vous dites kimbanguiste, non. J'ai connu votre chef spirituel. On s'était retrouvés un jour ensemble au palais royal. C'était un homme d'une autre nature. Ce que vous avez fait là ne reflète aucunement sa façon d'être. Avec ce que vous avez fait là, vous ne pouvez pas vous revendiquer de kimbangu. On voit bien que ne les connaissez pas. Vous ne les connaissez pas. Kimbangu était non violent. Nous l'avons bien connu puisque nous l'avons suivi depuis 1921 jusqu'à sa mort. Nous avons beaucoup de documents sur lui. Vous savez, il a été jeune et beau. Il était jeune et beau. Il portait un ruban blanc autour de sa tête. On a des photos de lui. Tant que vous allez le méconnaître, sachez-le que Afrique ne s'en sortira pas. Ce n'était pas un homme ordinaire, c'était un envoyé divin qui est venu spécialement pour sauver votre race. Le kimbanguisme n'est pas une petite religion, c'est une des grandes religions du monde qui s'inscrit dans le grand courant de pensée. C'est une religion au même titre que l'islam, judaïsme et le bouddhisme. Cette Bible que vous lisez n'est pas la vôtre. Vous venez nous apprendre le christianisme, mais c'est nous qui vous l'avons apporté. Nous voulons apprendre le kimbanguisme. Vous croyez que vous êtes là pour jouer la fanfare? Vous croyez que nous ne savons rien de tout ce qui se passe chez vous? Nous vous suivons de près. Nous savons que vous priez à jeter et d'autres sont à les 15, is 15. Vous êtes incapables de vous unir. Le kimbanguisme est une grande religion. Vous devriez déjà avoir des places à vous. Dommage, vous avez encore rien compris, mais tout ce qui se passe actuellement au monde, la montée du chômage, la crise de la société, la crise de la foi, Kimbangu a tout prédit. Vous savez qu'il avait prédit la guerre mondiale en 1940. Nous sommes allés voir son fils Aboma pour cela. Il a prédit beaucoup de choses pour l'Afrique. Aujourd'hui, vous parlez de démocratie. Les uns sont pour Kabila et les autres sont pour Tshisekedi. Que signifie mon démocratie en Kikongo ou en votre langue maternelle? Vous ne connaissez pas votre histoire. Est-ce que vous savez qu'il y a 7 de vos ancêtres qui sont exposés à Thérouzin, Tivernen, ici
en Belgique depuis 1897 sans connaissance de votre histoire. Vous ne pouvez rien faire, vous ne connaissez pas beaucoup de choses de votre propre Église. Dites à vos anciens de vous en parler. Nous avons remis les cahiers de Finangani et certains documents à votre chef spirituel. Vous devez vous imprégner. Le monde vous attend. Vous devez connaître votre histoire. Regardez-nous. Pourquoi la publication s'oppose à des manuscrits de la mer Mortesire les Essiens? Eh bien, parce que le jour que cela sera publié, il en sera fini du christianisme. Nous répartirons tout vers le judaïsme. Vous êtes la clé de l'Afrique. Elle ne pourra pas se développer si vous ne vous écartez de Simon. Si vous vous écartez de Simon Kimbangu et de Mvumu Simon Kimbangu. Est-ce que vous savez que le jour où vous allez vous organiser, demander réparation et dédommagement à la Belgique pour les services endurés par vos ancêtres, la Belgique va débloquer beaucoup d'argent avec cette somme. Vous pourrez bâtir tous les Bas-Congo, c'est dommage. Regardez, n'essayez pas profaner un lieu de culte saint. Le curé Jean-Marie a pleuré et c'est lui qui a commencé à tout nettoyer. Maton Domingue, Tokoli Kiaboué. Soki, attention à Bissot. Ezali Malam. Oyo alobi maloba wana azali kiré catholique. Aza mupe. Alobi pour Mukimbangu azalaki un non violent. Ce qui veut dire message naye ezaleli naye etinda batu na violence te. Mais na bososo di makasi. Alobi, si vous vous écartez de Simon Kimbangu, sachez-le que l'Afrique ne s'en sortira pas. Ce n'était pas un homme ordinaire, mais c'était un envoyé divin qui est venu spécialement pour sauver votre race. Vous êtes la clé de l'Afrique. Elle ne pourra se développer si vous vous écartez de Simon Kimbangu. Les jours où vous allez vous organiser et demander réparation à la Belgique pour les services endurés par vos ancêtres, la Belgique va débloquer beaucoup d'argent. Et avec cet argent, vous pouvez bâtir tous les Bas-Congo. Atangina Mundele, Atangina Bas-Congo, mais avec ça, c'est tout ok, parce que les dommages, ils ont été contentieux, Mbongo, ils ont été ébellés. Oyo, non seulement la Belgique, mais l'Europe tout entière, ils ont na mbongo na biso ya mingi. Et mundela le biso ki bolanyango avec attention, nous avons beaucoup de documents sur lui. Vous savez, il avait prédit la Deuxième Guerre mondiale. Nous sommes allés voir son fils à Boma pour cela. Donc mundela ça na confiance, il y a ba prophétie en Mfumu Kimbangu. Na mayenyo sa Mfumu Kimbangu. Pe ayebisi biso. Soki to sekarte na ye. Toko tika laga ko bongate. To zonga na linye profetiki. Ye mundele ayaki awa. Bolimbisi. Po na entere na ye. Po na bolamu na ye. E biso soki to lingi to san sortir. Il faut pe to kota na katia ba profesi ya Mfumu Kimbangu. Po eso soli sabiso esika to komi. Parce que, bolimbisi, mindele bazo tambola selo ba prophétie biblique. Lelo tozo solo la biso na bino mindele baza na période apocalyptique. Donc baza na apocalypse. Ba komi na suka. Ya fin ya règne na bango. Oyo akoti lelo azali 45e président. Mais tout le monde a le 43e président. Depuis les États-Unis, il y a le 43e règne. Et ça, il y a 430 ans, 430 moins 0, et il y a le 43. Et il y a George Washington,
43e George W. Bush. Ok. Après George Bush, Maison Blanche, Oyo etongama, Nabayindo, Pona Bamindele, Eyambi, Mwana Mwasi ya Mwindo esclave, Avandi na Kiti ya Bokonzi, ya États-Unis na période ya Barack Obama. Signe ya Suka ya Rene, ya Mindele. Du côté wana côté politique, parce que atayo na kati ndako na yo za patron za na mwasi na yo mwasi na yo za patron boza na mwana musala ya mwasi soki mwana musala ake alali na mbeto ya patron na ye azo continuer koza la mwana musala to bakokani bakokani boso solango malamu. Donc, Michelle Obama, le fait qu'il y a kokota na trône, il y a États-Unis, moutou, il y a Mokili Mobimba, na reine, il y a Européen, et là, qui si signe fait déclin, il y a Bokonzi, il y a Bamindele. Et, na kaka na période, yango, après Barack Obama, le lo babandi déjà shit. Ndenge bango babandi shit. Et que tu n'as côté spirituel, pape Benoît XVI a démissionné. Pape François Côté. Ma pape Nyon Sobayaka, Jean-Paul II, Paul VI, Jean XXIII. Mais pape François, Azakantien, 00. Oye makambutozo sololana bino, eza makambo yo, spiritualité africaine. Azako solo la yango, pona intere ya biso bayindo toza la nabo sosoli ya tango to komi. Parce que Mundele oya lobi ete, ye alandela ki mpumu kimbangu ko banda 1921. Ti 1951, azana ba dokima ebele ya ye, don Mundele muta yebi pe sika to komi. Bazi ati ki pe ba yebi sika to komi, ena yango, biso bayindo pe sengeli to yeba esika to komi. Soki chaque peuple a koyeba esika to komi et ko pesa biso avantage parce que soki to yebite to kokoka ko s'organiser te parce que mundela lobi mokolo to ko s'organiser. Mais pour to s'organiser esengeli biso baso to zo bososoli ke to zo zelelo ko moko ya motu ya pe ya malam. Nebongo na tango to ako solo la, eza to ako solo na bino, ma solo etali bomo inabiso. Bomo inabiso ba yinde. Donc, oyo nyoso aspira kana boner. Oyo nyoso alobi ete ngayi na lingi pasi na ngayi esila. Sel akoki kolongo la biso na pasi ezali oyo akelaki biso. Ako responsabilize biso, poto yeba. Yangwana to lobi. Toye ba sika wapi oyo to komi. Mokileza en pleine mutation. Mokileza en pleine mutation. Pouvoir dirigeant ezo longwa na Europe. Ezo kende na Orient. Pouvoir économique ezo longwa na Europe. Ezo kende na Orient. Europe azo kende na shit. Et na shit wana Europe azo kende. Soki a lingi a résisté. Sali na yeto lobi koni ezaka kamoko. Il faut senga biso bayindo pardon. Mundele, il faut senga biso bayindo pardon. Pe a dédommager biso. Wanande babiki. Soki te troisième guerre mondiale est inévitable. Et troisième guerre mondiale est entre Orient et Occident. Et troisième guerre wana est un dégât grave pour l'Occident. Parce que c'est la période à perdre beaucoup de gens. Mais solo, c'est solo la bisona bino.
Eza ma solo ya simanda kute. Eza ma solo ya chambre te. Eza ma solo ya salon te. Kasi eza ma solo ya dibanda. Ya balabala. Oyo moto nyoso, moyindo nyoso, esengeli ayeba, nesika tokomi. Pamba te, ignorance na biso, nde bazo profite na yango. Yango tolobaki na bino, toko solo na bino, masolo, tango ye, bomana no coloration na yo. Me linga bososoli na yo, esala makasi. Pona nini biso, mbala mosusu, ezo senga biso to s'organize, me baza ko empêche biso, pona to s'organize. Baneni baza ko empêche biso to s'organize. Nangonga nanu oyo neti na mboka na biso parce que tant que yoki ke mokolo toko s'organize et puis toko zwa mbongo ebele mbongo ango ekozala na periode nini awa makambo elekaki na 97 esengeli toyeba soki tolandi na kati ya baprofesi ya mfumu kimbangu toko yeba periode ya mbongo wana emindele esengeli basenga biso pardon ebele bazomona ngo lokola eza impossible. Mundela senga biso pardon. Non, c'est impossible. C'est impossible. Ignorance na biso ndezo pesa bango avantage. Il y a de cela 10 ans. 10 ans na nona na 2007. Mais mundela ba yaki na Kinshasa na centenaire. Na temple ya centenaire, na cathédrale ya centenaire, ba yaki ko senga ba yindo pardon. Réconciliation Europe-Afrique. Mais Zala qui a Mayouya. Toloba qui faut passer à d'une manière officielle. Mais Zate Boleki na CCC. Soki Banamwanda. Nabosenga Nabino. Parce que Bilili ou Anezali, je suis tout au ticket la bino, on a ma chaîne de télévision, bon Bolanda. Pour ma cambo, tous les solo, on a bino, ah ouais, ils ont ma cambo, ils ont bon bamate, ils ont ma cambo, ils ont polele. Ndena bongo, mundele le col à l'aile, la can Afrique. Le col à bique, la can Afrique. A koki kolingate, tous à la libre, pe a koki kolingate, to profite. Pe bongo azali koboya kofuta nyongo oyo wana. Alors, contrairement ndenge batu toza komilela lela. Ah pasi na biso ba ebazo diriger biso batu bazali na base. Ya pasi na biso bana mwanda to solola nanu eteni wana. Pasi na biso ewuti wapi ndeko mususu ya kotanga. Bana mwanda, boya leza, kasi makambo na bino, to uti Kinshasa. To leki matadi, to yebo masiko, toza na mwanda. Pona bino bana ya Congo Central, na responsabilite muneno bozali na yango. Pona lobiko, kobanda na Congo, Afrique, pe mokili mobimba. Akomi boye, charte de l'impérialisme. La commission constitutionnelle ayant siégé dans une capitale du monde du 18 juin au 3 juillet 1888 a proposé ce qui suit. Tous les impérialistes du monde par référendum constitutionnel organisé le 25 août 1888 ont adopté préambule proclamant notre adhésion à la charte de l'impérialisme, à la déclaration universelle des droits de l'impérialisme, soucié de maintenir les pays du tiers-monde dans la misère, la division, les guerres, la confusion. Pour maintenir quoi? Pour maintenir soucié quoi? Soucié de maintenir les pays du tiers-monde dans la misère, la division, les guerres, la confusion et l'anarchie. Affirmant notre détermination politique, économique, sociale et culturelle de nos pays en vue de nier, les exploiter et les piller. Les piller. Oui. Nous, impérialistes du monde, inconscients de nos responsabilités devant Dieu,
déclarant solennellement, adoptée par la présente charte, section 1, disposition générale, article 1, aucun pays du tiers-monde ne peut constituer son État souverain. Article 10, tous les pays du tiers-monde sont divisibles et leurs frontières déplaçables selon notre volonté. Article 3, notre devise, diviser pour mieux régner, conquérir, exploiter et piller pour remplir nos banques, pour faire d'elles les plus puissantes du monde. Article 4, tout pouvoir dans les pays du tiers-monde émane de nous qui l'exerçons par pression sur leurs dirigeants qui ne sont que nos marionnettes. Aucun organisme du tiers-monde ne peut s'en attribuer l'exercice. Article 5. Tous les dictateurs du tiers-monde doivent forcément placer leur argent dans nos banques pour la sécurité de nos intérêts. Cet argent servira des dons et crédits accordés par nous comme assistance au développement. Section D. Du régime politique. Article 6. Seul un gouvernement établi par nous est égal et démocratique. Tout autre gouvernement non issu de nous est illégal et dictatorial, quelle que soit sa forme. Article 7. Tout gouvernement qui oppose la moindre résistance à nos injonctions perd par le fait même sa légalité. Section 3. Des traités et accords. Article 8. On négocie pas les accords avec les pays du tiers-monde, on leur impose ce qu'on veut. Article 9. Tout accord conclu avec un autre pays ou une association sans passer par nous est nul et de nul effet. Titre D. Les droits fondamentaux. Article 10. Là où il y a nos intérêts, les pays du tiers-monde n'ont pas de droits dans les pays du tiers-monde. Nos intérêts passent avant la loi. Article 11. Les peuples du tiers-monde n'ont pas d'opinion. Ils subissent notre loi. Article 12. On ne parle pas des génocides ou des massacres là où nos intérêts sont garantis, même si le nombre des victimes est très important. Article 13. D'autres pays n'ont ni culture ni civilisation sans se référer aux nôtres. Article 14. La liberté d'expression et la liberté d'association n'ont de sens que dans les pays où les dirigeants s'opposent à nous. Titre 3. Les finances publiques. Article 15. Dans les pays du tiers-monde, nul n'a le droit de mettre dans leur banque un montant dépassant 2 millions de monnaies. Lorsque le montant dépasse 2 millions de monnaies, on les dépose dans une de nos banques pour que les bénéfices retournent au tiers-monde sous forme de prêts ou d'aides économiques en espèces ou en nature. Article 16. Nous aurons droit à l'aide précitée que les pays dont les dirigeants font une soumission totale à nous. Titre 4 de la révision de la charte. Article 17. L'initiative de la révision de la charte appartient concurremment aux impérialistes unis des hauts temps. Article 18. La charte relative à l'exploitation des pays du tiers-monde pendant la période de la guerre froide est abrogée. Article 19. La présente charte entre en vigueur le jour de sa promulgation, faite à Washington le 25 août 1888, date de réactualisation le 30 août 1998, pour les ISA, signé par Jefferson C.W., pour le Royaume-Uni, signé par Robert Tiff, pour la France, signé par André-Louis Voleur, de l'excès confidentiel numéro 244. Matin de mine de Goko Kendena noté, Tokoli qui a bandé Kobalandi, ce que Koki Kosal et la Bangoma résumé Moukena Dingala Maïbotang. Merci beaucoup. Ma commis à la charte d'impérialisme. Kosal a résumé, n'a pas préféré Yomoko en tant que modérateur principal pour résumer auditoire. Matin de mine, Tokoli qui a
balobi po ba maintenir biso na misère na ba guerre na ba division na nyonso ya nyonso ya mabe nde mindele bayokanaka mboka moko te ya tiers monde ezali souverain ce qui veut dire toza na souveraineté te bon ce qui ba dirigeant ya tiers monde bazali ba marionnette ya mindele balobi gouvernement nyonso yo ekomeka ko s'opposer na bango et perdre mbala moko l'égalité na yango. Est-ce que vous comprenez que na période otozali ezali pe opposition ba s'opposer pe na bango ba mindele yango bazo faire perdre bango l'égalité wana. Désordre otozana yango ezali entretenir na ba mindele. Ce qui va couler tout bas bête à ma solo malam, ma étozo vivre les lois à la kina 1960. 60-65. Pona mingi, tolobaka, Congo est un pays souverain. Congo est un souveraineté. To accéda qui na indépendance le 30 juin 1960. Congo est comme indépendant en 1960. Accord ezalaki entre Belgique na Congo. To signé ba accord. Mindele bandimi. Voilà document ba signé ki yango. Ezali moko ya lokasa na kati ya livre d'or. Oyo endimi indépendance ya Congo, pays souverain, ndeko moka ya kobwaka solution. Non, aya kotanga. Aya atanga pona baninga. Bon, pesa. Eh, yakambangu tata. Ok, merci pour l'autorisation. Déclaration conjointe des gouvernements congolais et belges. Le Congo accède ce jour en plein accord et amitié avec la Belgique à l'indépendance, à la souveraineté internationale. Léopold de Ville, le 30 juin 1960, le premier ministre belge, le premier ministre du Congo, c'était le Mouba à l'époque, et le ministre des Affaires étrangères belgique, M. Esquince, que je connais encore dans ma tête, et le premier ministre et le ministre des Affaires étrangères du Congo était Justin Mali Mboko à cette époque. Voilà. Quatre signatures. Oyo Bandimaki, Maton Domingue Longonia, Oyo Bandimaki, Belgique Andimi. Maintenant, 97, Kire Jean-Marie Vanney Balobi, pour s'en sortir. Donc, ti na 97, na to s'en sortir. Les jours où vous allez vous organiser, ce qui est une charte de l'impérialisme, balobi va maintenir bison na ba division. Les lobbies bison na Congo, bino bilenge. Tozo vivre li kamboyo. D'accord, la cité ya OIA. Bakor ya cité ya OIA. Et comme qui n'a point, penza ba congolais ba dialoguer comme il faut. Total et pas yuapi toko kende. Bandeko nyoso bakoti. Batindi bandeko mosusu bakongole balobi bokende kozwa bandeko bazana limité. Boyana bango poto vanda. Pamba te batongaka mboka na désordre te. Batongaka mboka na koyokana. Mais mawana bina bolimbi si mawana bina peuple zalini. Po bazo kosa bina ke pasi na bino. Ezo wuta na ba dirigeant alors qu'en réalité pas ezo wuta na ba impérialiste et puis parce que toza souveraineté
moka moko te etongama na désordre et moka moko te ezwa émergence na yango sous colonisation ou sous tutelle. Ce qui le lot aux exemple ya Chine, aux exemple ya Japon, aux exemple ya Inde, même bango ba mindele pour être base au développement liboso na nous indépendance. Indépendance. États-Unis, à la date, il y a indépendance. Ce qui n'a pas sanité cause le 14 juillet. Le 4 juillet. Date, il y a indépendance. Et après le 4 juillet, États-Unis a commis grande puissance. Europe, à la date, il y a indépendance. Mais Afrique, indépendance. Hypothéqué. Nini le cas, Congo, cas d'espèce Congo. Le 30 juillet, va signer indépendance. Le 11 juillet, Belgique, Oyo, a signé qui accord Oyo. Belgique, a vu Tchombe, a sali sécession katangaise, soutenue par la Belgique, par la communauté internationale. Est-ce qu'ils ont une violation des documents Oyoté? Violation grave. Il y a indépendance, il y a Congo. Par la Belgique, la communauté internationale. Et wapi, les politiciens na tango wana va trahir le peuple congolais. Parce que l'indépendance, c'est là qui fruit, il y a les politiciens. Indépendance, c'est là qui fruit, il y a l'élite. Nanu liboso prophétique. Il n'y a pas prophète. Il n'y a pas ngunza. Et tumba na bango babundaki. Baya vita nkanga. Baya kimpa vita. Oye kwa boutir na mfumuki mbangu. Oyo eye kwa sopisa makila le 4 janvier 59. Pona ko reklame. Et tumba na e reklame indépendance. Makila ya 4 janvier yangonde botaki. Le 30 juin 1960. Mais les politiciens, quand on a les 11 ouana, désordre koti, sécession katangaise, sécession kasayenne, pebongo toleki, kasavu bulumumba, bakoyo kanate, soukana yango, mindele, babengisi kasavu buna oni, bandimi gouvernement ya kasavu bu, bakaboli bangona mbuta lumumba, voilà indépendance hypothéquée. Ba politicien, ba mitiki bazala, ba valé ya ba mindele, et mindele ba continuer si ko ba pratiquer le néocolonialisme. Donc, ndenge to tangi ya mona charte de l'impérialisme, le pouvoir dans les pays du tiers monde, c'est nous qui les dirigeons ou l'exerçons par pression sur ces dirigeants-là qui ne sont que nos marionnettes. Donc, les dirigeants n'ont pas besoin d'indépendance parce que les gens n'ont pas besoin d'indépendance. L'indépendance, il y a Congo et Zala qui violent. Voilà. Accord violé, grave. C'est quoi les Congolais tout ça là? Pour tout ça, il y a des désordres. La voix ya tata kele likolo na se alobi na bangunza boye na tango tozali boye bisa ba kongole boye bisa bana ya Congo central bana ya Mwanda baye bakozwa responsabilité pona ko komisa indépendance oyo effective parce que toza ko nyokoma po toza ba prisonnier po indépendance oyo endi mama il faut mindele ba ko senga biso pardon po basala ki na 2007 yango te esengeli biso ba congolais to s'organiser, to vande sika moko, et bandi nanu na ba dirigeants politiques, toutes tendances confondies, ba senga peuple pardon.
Nandenge ba trahisaki peuple pendant 57 ans oyo bango ba servir mundele. Et ensemble biso na bango na ba politiciens to sali kor moko. Ndeto ke isikoyo ko solola na ba mindele na maimata di bongo bonsomi na biso 57 ans oyo bango ba violer indépendance na biso et niongo na biso bazali na yango ya plus de 100 ans. Mbongo wana bakozwa yango to biso tokozwa yango na période nini tokozonga kuna pona to tangeza na période nini kasi po ete maitozo solola na bino potango tozo solola ebele bango est-ce que mundele pa koya osenga pardon ye kumukusu elongo na bangunza ngo bazokanisa mundele oyo azana mandoki mundele azana bokasi azana nyonso ya nyonso hein bino boko kokaye ke ezali kambo ya tango nde koki oyo ezali kambo ya mandoki na ete mundele azana mandoki bien sûr azana mandoki mundele azana bomengo me mandoki wana asaleli yango na ba matière azina mabele na biso mundele ya bomi biso mundele kaboli biso biteni biteni mundele pie bomengo na biso asaleli nyoso e na lelo biso toye na motema malamu. Parce que Tumukimba waza un non violent. Nzambe na biso pe aza na violence te parce que toi na biso le mando kite hein. Oyo. Toi na mando kite. Mais force na biso ezali niongo mundela aza nango. Yango wana bande ko toza na kati ya masolo biso na bino. Ezali nini histoire pe masolo oyo. Tata moko aza na lopango na ye. A cédé yango parce que azalaki na nyongo bayokani na mutu bon ça va tonga pendant 50 ans otongi otie ba locataire otie misala na yo soki 50 ans ekoki ozongi selingaye mabele na ngai donc na oyo yo tonga ke komi ya ngai yo ke i contrat esili mais mutu wana a dépassé et komi na 75 ans. Tata kufi bien sûr mais bana batikali. Siko bana bokwei na document oyo basinyaki tata na bino na tata wana et bo remarquer que ba dépasser largement période ya consommation na bango. Oyo ezalaki 50 ans ba komi na 75 ans. Donc 25 ans ya exploitation illégale. Et là, quand ils bossent, les alinines. Boko kende komona l'état te. Mais là, quand ils bossent, boko sala, boko ko trouver tata wana. Pona bo la ki sa ye. Bako. O ya signé ki na tata na bino. Alobi, bo la ki se bobi papa. Oza ko reconnaître les documents oyo. Ke bo signé ki na papa contrat ya 50 ans. Ce qui a dit ni. Voyez, bise bongo 25 ans oyo yo lekisi sikoyo. To sala na yango nini? Bo simba likambo tozolo bana bino malamu. Bana ya mwanda. Parce que distraction politicienne lekeli bino makasi. Bazolinga te boye baba vérité na banani na ba oyo babomba ba prophétie ya Mfumukimbangu na boyo bayebi esika mokide komi. Me boye ba yango malamu. Ya nzambe zalaka ya nzambe. Soki boke bo lakisi tata wana, atali a reconnaître bolobi bon 25 ans futa biso yango. Au même moment, boko zonga na respect ya contrat oyo basala na tata na bino, et le 25 ans est commis des dommages, il faut dédommager bino. Nenga konsoma kiyango. Alors bo imagine bino banso lelo. Na makambo tozo solola na bino. Ebele ba mituna ka livre d'or eza wapi livre d'or eza wapi tokozela ngo wapi. Me lelo soki nzambe ya bakoko asali ete document oyo. Ba signaki entre la Belgique na Congo. Ekoma na maboko ya ba Congolais. Est-ce que ezali te potango ya bosolo si ekoki? Oyo. Potango ya indépendance effective si ekoki. Ekoki. Voilà. Yango biso bandeko na bino,
Marie amonana na Jean Sainte Lissi na François bazalaki bana mike. Ayebisi bango makambu bokende boyebisa na kire na bino atinda yango na Vatican. Ete batu oyo bino bozo konza. Bayindo bino bozo kolonize. Convention bino na bango ekomi na suka. Dans 3 ans mokonzi na bango azoya. Il faut bo libérer bango. S'il faut que ça soit 40 ans, il y a traversé le désert, alors vers les années 60, il faut que tu aies. Donc, Mindele Bazalaki est déjà au courant, il y a quoi en Fumukimba. Et les 100 ans, tous ceux qui ont centenaire, si il y a quoi en Fumukimba. Donc, il y a un peu de temps, il y a une indépendance na Bissau. Il y a un peu de temps. Les mêmes causes. Et produisent les mêmes effets. Pape Aouti Fatima. Na 2017. Bientôt 2021. Mais Mundela Yebi, place nini to komi. Et ce qui te tangi ba prophétie en Fumukimbao. Mundela Yebi, nini yango ezali. Et il faut embrouiller. Yangwana. Mokile molimo na biso alobi po ba ignorete ke bino pe boyebi yango bokomela bango boyebisa bango a partir ya Vatican boyebisa pape ayebisa Mindele comportement na bango baza ko afficher lelo eza na ba conséquences graves po na bango mais celle sali na bango il faut basenga bayindo pardon boyo parce que ndenge to lobi. Ceux qui ont des documents, ils ont des documents et pas des bango. Donc, comme elle a qui pape, Mokanda, Yangoyo, Nana Koki Koyakotanga, Maïto, comme elle a qui pape, mais Yakotanga, mais ça pour la biso. Pour la baïne de Yoso. Si maya ko komela pape, to komela ki pe ba dirigeant européen nyonso. Geta. Po ba changer comportement, ba ya ko senga biso pardon. So ki te, a part guerre mondiale, ko lande la bileko to zo traversé, biso na Egypte tango to konza ki bango. Tant que tu as une période de Kabouanana Bango, tant que tu as senti ta qui, malgré Boka Signor Soto Zalaki Nangoba, signe Yaliboso et Zalaki les 10 plaies. Oye Mikakatano Tokutana Nango. Baebisaki Moïse, Kende Yebisa Pharaon a libéré peuple d'Israël. Et Biso Pelelo Nangongana Biso, Balobito Yebisa, pape Naba dirigeant européen, Batika Bafricain, libre. Oyo. Et bah si nyo bazo mone pa ina bango. Ba calamité naturelle ndenge zo beta bango. Ndenge ba tanta ezo sale me pa ina bango. Ndenge économie na bango ezo kita se ko kita ezali ba signe annonciateur. Soki ba dingi ba éviter des cas graves. Ba se conformer na volonté divine. Ba tika nyamu nyamu ya kotinda batu na kintsweki. Il faut pardon ezala officiel. Biso toko limbi sa pe bango, toke ina ba dommage intérêt, ba violer 57 ans par exemple pour na Congo. Donc bande konanga tango bozo landa, bolongo la somo, bolongo la kobanga. Parce que tozali na force, force na biso, eza mando kite, kasi bokasi na biso ezali nyongo, oyo mundele azana yango. Parce que soki a santete, makila ya bakoko na biso, kolela ya bakoko na biso, nde yango mute koloba alors tata keri likolo na se mota ko trancher ndeko botanga
Akobiboué. Message spirituel à l'intention du souverain pontife Pape François à propos des préventions spirituelles pour l'avenir de l'Europe et du monde. Message inspiré à Nisongandila, Fumukusukia Zanapan de l'Angola, chef spirituel et rénovateur, président et représentant légal des chefs spirituels des confessions religieuses de la religion africaine Votuka. Souverain pontife, par la présente, nous de la religion africaine saisissons cette opportunité pour vous annoncer les préventions spirituelles pour l'avenir de l'Europe et du monde. Suivant l'évolution du monde, les comportements de l'Occident ne cadrent pas aux réalités actuelles et à l'avenir du monde. Beaucoup d'Européens ne veulent pas tenir compte des réalités à venir, vu le temps vécu à la période que nous traversons. Le monde est en pleine mutation, ce qui explique que les pouvoirs dirigeants du monde quittent l'Europe pour l'Asie et cela entraîne le déclin de l'Europe pour l'émergence asiatique et la renaissance africaine. Pour ce, le monde peut retourner dans sa position d'origine à condition que les acteurs actuels puissent comprendre que les codes de départ du monde c'était la complémentarité et non la domination. Or, pendant tous ces temps que l'Europe a régné partout où elle est passée, elle a utilisé la loi du plus fort, donc la domination, si cela s'est passé avec les Égyptiens, les Babyloniens, avec les déportations, ainsi de suite. Nous pensons ici que tous les peuples ont payé leurs dettes, autrement dit les karmas. Si l'Europe avait esclavagisé les Noirs, exproprié leurs terres, leurs savoirs, cela est dit aux 430 ans que les Égyptiens, ancêtres des Noirs, avaient esclavagisé les Israélites, ancêtres de l'actuel Européen, et ce qui a fait que le roi Nzinga Kovu accepta d'être baptisé et de céder l'être noir ainsi que sa gloire et les terres africaines entre les mains des Européens qui, en réalité, devraient dominer sur les Africains pendant 430 ans. Donc, confère Exode 12, verset 40. Alors, la durée des souffrances des Noirs devrait prendre fin en 1921, à compter depuis le 3 mai 1421 jusqu'à la venue des Fumu Kimbangu en 1921. Or, si on devait ajouter la traversée du désert, cette ajoute devrait arriver jusqu'en 1961, donc vers les années 60, qui marque la période de la proclamation des indépendances africaines. Est-ce un programme spirituel, une simple coïncidence ou accomplissement des réalités? Alors, si à la génération des Fumu Kimbangu, les Africains devraient être libérés pour les Africains, donc ce serait les retours vers eux-mêmes. Parce qu'en acceptant le baptême et l'esclavagisme, ils étaient amenés vers l'occidentalisme qui, à la fin de cette période, devrait prendre fin par la venue des Fumu Kimbangu. Cela marquera le retour en Afrique, terre de nos ancêtres. Tous ceux qui étaient déportés feront le retour physique, tandis que tous ceux qui y ont resté feront les retours spirituels. Cela fera que les Européens aussi puissent laisser les Africains libres, rentrer ou rester chez eux. Alors, parce que ces deux peuples ont cohabité, bien que par un déséquilibre, puisque les uns étaient les dominateurs et les autres les dominés, les uns exploitèrent et les autres exploités, cette séparation dans la logique des choses devrait nous amener à la complémentarité, donc à la cohabitation. Donc, l'Europe a besoin des matières premières que produit l'Afrique, et l'Afrique ne devrait pas seulement fournir les matières premières, mais aussi les produits finis, et vice-versa. Mais les dirigeants actuels de l'Europe et leurs hommes d'affaires ne veulent pas entendre cela de leurs oreilles et voir cela de leurs yeux. Or, ils oublient qu'ils ont dépassé largement le temps de la perception de leur dette. Au moment où nous sommes arrivés à la fin de l'octroi de notre dette, l'Europe est à la période apocalyptique. Cette période se démontre comme suit.
Lors de la formation des États-Unis, comme en tête le premier président George Washington, marque le début des règnes de 430 ans par les 43 règnes qui devraient prendre fin avec George W. Bush. Ensuite, est venu au trône le 44e président Barack Obama, autrement dit Ramsès II. À travers ces derniers, une reine noire, Michelle Obama, trône à la Maison Blanche, réservée aux reines des Blancs. Comme le 43e règne marquait la fin, on a vu déjà les Noirs introduits dans le gouvernement Bush, puis deviner si l'esclave est assis sur le trône du maître. Qu'est-ce que cela veut dire? Soyons réalistes et non revers, comme furent jadis tous les peuples qui ont colonisé et esclavagisé, qui ont déféré tuer les éveillés, les libérateurs et les annonciateurs pour maintenir les assujettis sous leur commande, oubliant que la nature a ses réalités. Donc, ils ont tout fait, mais la nature a prouvé le contraire. D'une manière ou d'une autre, les assujettis se libèrent entre les mains de leurs oppresseurs. Aucun peuple du monde ne saura maintenir ses esclaves jusqu'à l'éternité. Ainsi, dès que les Noirs sont entrés au trône aux États-Unis d'Amérique, les Américains et les Européens blancs devraient savoir que c'est la fin de leur règne, non seulement sur les Noirs, mais aussi dans le monde. Alors, pour éviter la chosification, l'anéantisme futur de l'Europe et les Européens qui sont les descendants des anciens Israélites, et pour que le monde puisse changer de code, de la domination à la complémentarité, et pour qu'il y ait la paix, les Européens ont le devoir de changer leur comportement, leur avis et leur agissement. Car ils ne seront pas bloqués pour eux-mêmes l'intelligence créative qui a fait de l'Europe la grande puissance. Puisque cette intelligence est octroyée par le suprême créateur à travers sa nature à tous les peuples du monde dans des périodes différentes, comme il en est le cas aujourd'hui avec les Orientaux. Les Européens doivent accepter de demander pardon officiellement à l'Afrique et chercher à réparer les préjudices causés avant que la nature les condamne, parce que la condamnation amènera des conséquences graves et néfastes pour leur futur et celui de leurs descendants, alors que la réparation amènera la paix, la résistance et l'existence de l'Europe. En 2007, une délégation des chrétiens blancs était venue ici à Kinshasa sous prétexte de demander pardon à travers l'église protestante. Mais ce pardon n'a aucun effet, puis n'est point accepté ni reconnu par le monde spirituel des Africains, car la voie choisie ainsi que la procédure n'est pas bonne. En plus, les personnes impliquées à cette cérémonie n'ont pas qualité de l'être, cela étant, nous disons que cela n'était qu'une mascarade, la réalité étant tout autre. Il fallait que les dirigeants européens se mettent ensemble avec ceux des Africains pour réparer. C'est pourquoi nous insistons, l'Europe a vraiment cette obligation de réparer toutes ses fautes en Afrique, puis faciliter les Africains à s'entendre, car le temps ne lui est plus favorable comme nous l'avons été à midi. Dès l'esclavagisme, nous sommes maintenant au soir. Le midi, c'est pour l'Asie, le matin, c'est pour l'Afrique, et le soir, c'est pour l'Europe. Quelle que soit la force humaine, matérielle, financière, militaire, économique ou toute autre forme qu'un peuple ou une personne peut détenir, l'ayant tiré dans la nature, celle-ci n'est qu'un minimum par rapport à la force ou à la grandeur de la nature qui est plus supérieure. C'est pourquoi aucun peuple ne peut défier la nature. Les Égyptiens en firent, c'est qui est ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Les Babyloniens, les Persans, ainsi de suite. Si nous écrivons aujourd'hui, c'est parce que c'est vous qui êtes le père spirituel des Occidentaux et qui détenez les pouvoirs spirituels pour eux. Oui, c'est vous qui avez le devoir de leur annoncer
ces précautions, les avertir pour les mondes à venir, car les réalités actuelles les prouvent déjà. Mais parce que ce n'est pas d'une manière spontanée, ça vient au fil des jours, au fil des temps. Or, la vie ou l'existence nous dit qu'il y a un temps pour entrer, il y a un temps pour sortir, il y a un temps pour vivre, il y a un temps pour mourir. Il y a un temps pour régner, dominer, il y a un temps pour être dominé. Il y a un temps pour mourir, il y a un temps pour renaître, il y a un temps pour aller, et il y a un temps pour retourner, revenir. Alors, un monsieur méchant dans sa vieillesse a l'obligation de créer un climat de paix pour protéger sa vieillesse, car la vieillesse, c'est la faiblesse, et c'est pour en éviter la revanche. Nous osons croire que les Européens seront bien avertis par vous-même et vont créer un terrain d'entente avec les Africains ainsi qu'avec d'autres peuples. Connaissant aussi bien comment fonctionne la spiritualité, la nature et l'évolution du monde, nous osons croire que vous serez notre meilleur interlocuteur auprès des hommes d'affaires et dirigeants européens qui éviteront la colère divine à travers la nature et les jugements, car les salis de l'Europe n'ont pas d'autre voie que de se racheter auprès des Africains à qui doit réparation de préjudices causés par l'indemnisation et dédommagement. Le contraire, ça sera la destruction de l'Europe, non pas pour nous les Africains, mais plutôt pour les mondes asiatiques, sous la condamnation du suprême créateur. Imaginez combien de bombes que l'Occident a larguées en Orient et au Moyen-Orient, et en revanche, en Afrique, c'est parce qu'il s'agit de la dépassement du karma qui est à la base de tout. Ne voyez-vous pas les signes annonciateurs? Et ce que l'été ou le printemps peuvent-ils arriver sans les signes annonciateurs? Vous pouvez prendre toutes les précautions, mais les précautions vous permettront juste pour résister. En Égypte, ils ont été avertis sur la famine qu'ils allaient servir le monde durant 7 ans. Malgré toutes les précautions, ils n'ont pas chassé la famine, mais ils ont été protégés contre cette famine grâce aux réserves de 7 ans qu'ils ont créées. De son côté, si l'Occident préfère prendre la précaution de tuer les Africains, surtout parce que l'Afrique n'a pas d'armes, n'oubliez pas que c'est la nature qui dirige le monde. Ce n'est que notre tour qui va compter, car dit-on, à chacun son tour. Les Européens ont aussi obligation de quitter cet esprit, de maintenir les Africains dans la domination, car hier n'est pas aujourd'hui, et aujourd'hui n'est pas demain. Qui allait croire qu'il y aurait ici sur la terre des hommes d'autres nations puissantes dans d'autres continents en dehors de l'Europe? Les Européens ne l'ont pas pris, ni même les Africains. Alors, ne croyez pas que l'Afrique restera à perpétuité sous la domination des Européens. Et dans cet état de l'être dominé, un jour, vouloir ou pas, ça sera le tour de l'Afrique. Mais la loi de la complémentarité vaut mieux que la domination. Ainsi, préparez un bon futur pour vos descendants, plutôt qu'un mauvais futur. Veuillez à créer, souverain pontife, l'expression de nos salutations spirituelles et de nos remerciements anticipés. Fait à Kinshasa le 28 juin 2017 pour la religion africaine, l'insoumiandila, Fomukusu, Kia, Zalampanda, Mangola. Maton de Mingi, Wana Ezali et Tinda. Pour Pape Aebi Samindele, Baye Bagake, Biso Peto Yebi, et Sika Tokome. Tokome la qui peut ma dirigeant européen. Et ça, quand tu es Tokome le Pape, mais Tokome le dirigeant européen, Nios. Kobanana États-Unis d'Amérique, Tokome le Reine d'Angleterre, Chancelière. Il y a l'Allemagne, roi ya ba Belge, pe ba président nyons européen, ba yeba.
ndenge bazo tambolela soki badengi babongisa lobi na bango bayokana baya baya kosenga biso pardon parce que mokili lobi ekotambola na complémentarité mais yo moto mwindu yo pe zala kolamuka na ngambo na yo donc tango biso tozokoma wana batindi biso pe toya kolamusa bino donc toye awa na Congo Central précisément na mabele nano mpumukimbango esika botamelaki parce que sengelaki ebandela awa bapoliticien basala ba erreur ebele bandimaki na ngambo ya mindele na lelo génération ya lelo bokozala na ignorance te bokozala mpe na kobanga te parce que tant tolobeli mindele ke baarme na bango te mutu tokobunda na yango bakobunda na baasiatique wana eza donné spirituelle vouloir ou pas soko pakoli ina mokolo moko ekolongwa kaka chasse le naturel il revient au Ghana bakutaka biso libre badépasse largement période mais sikoyo période ya dédommagement ya Afrique penza na sens na yango po tozwa mbongo ebele oyo wana mindele baza na yango ezali période o mindele bakosenga biso pardon eza période mais epai na biso ekozalela ndenge nini boya kotanga nano prophétie lisusu ya mpumukimbango parce que mundele alobi confiance na prophétie ya mpumukimbango ye moko mpo aza na confiance na yango e ayebi yango mpe azogere yango aza mpe koluka kwambruye yango mpo bino boyebango te bino bozwa ntango te ya koyeba mpumukimbangu parce que soki boyebi mpumukimbangu soki bosangani bolandi baprophétie bokoyeba esika bokomi nzoka soki toyebi esika tokomi ekomi esika tozala indépendant ye adédommage biso mpo mbongo ekowuta epai na ye mpo tokotongela afrique na période nini ndeko yaka kotanga prophétie ya mpumukimbangu ya 1944 Merci pour l'autorisation. La prophétie du prophète Simon Kimbangu sur l'avenir politique de la République démocratique du Congo fait le 17 juin 1944 dans la prison d'Elisabethville. Le prophète Kimbangu que les Congolais connaissent aujourd'hui par son nom et surtout à travers l'église kimbanguiste fit un homme de Dieu. Plusieurs écrivains, surtout des Belges ayant vécu ces miracles, ont fait des témoignages dans les livres relatant son ministère. Né le 12 septembre en Kamba, le 12 septembre, mais c'est 1887, je ne me trompe pas. Né le 12 septembre 1887 en Kamba, dans la province du Bas-Congo. Kimbangu est décédé le 12 octobre 1951 dans la prison d'Elisabethville, Lubumbashi, où il fit depuis 1921, soit 30 ans de prison. Après un jugement sommaire du 3 octobre 1921 par le conseil de guerre de Tisville, Manzangungu, que dirigeait le juge belge Messier de Rossi. Devenu cuisinier de la prison, Kimbangu avait la liberté uniquement dans la prison et ne pouvait recevoir personne dans sa l'autorisation personnelle du gouverneur provincial dit Katanga. C'est dans ce cadre et avec la permission expresse de M. Lamborai, alors gouverneur provincial du Katanga, que Kimbangu avait reçu la visite de Papa Kiansumba, Jean, domestique du grand frère de M. Lamborai en congé à Elisabethville où il avait accompagné son patron. Papa Kiansumba, domestique, avait pendant ses jours été autorisé de rencontrer le prophète Kimbangu pendant 21 jours successifs à la prison de 16h à 18h sous la surveillance de trois policiers dirigés par le premier sergent-major Timothée Kimbantia. Au cours de leur entretien qui se déroulait en langue du Congo, le prophète a prédit l'avenir du Congo belge spécialement pour la période après l'indépendance parmi les diverses révélations écrites par Kiansumba je vous propose celle que nous vivons et qui intéresse nos compatriotes qui s'agitent le prophète
Elle avait la prophétie de Kimbangu comprend plusieurs points. Dans les premiers, il donne la date de l'indépendance.